Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier webinaire organisé conjointement entre 2CRSI et Submer. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant et ô combien d'actualité à couvrir avec l'ensemble de nos intervenants. Nous verrons avec nos experts que réduire l'impact environnemental des data centers avec notamment le principe de refroidissement des serveurs informatiques par immersion, c'est tout à fait possible et on vous expliquera bien évidemment comment. Nous verrons comment transformer un data center en un environnement ultra efficace, performant, sans faire pour autant de concessions sur l'écologie et le développement durable, qui sont souvent dans l'imaginaire collectif deux principes éloignés des préoccupations premières des acteurs industriels de l'informatique et du numérique. Donc, tout au long de ce webinaire, nous allons quelque part vous prouver le contraire avec un partenariat 100% européen entre 2CRSI, acteurs industriels français de la conception de serveurs informatiques haute performance et éco-énergétique, et Submer, fabricant espagnol de bacs à immersion qui permet de refroidir les serveurs en les plongeant dans un environnement liquide. Mon nom est Sébastien Germain, je suis en charge des opérations go-to-market pour le groupe de CRSI. Je serai votre modérateur pour la session d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat prévu à cet effet. Ce webinaire est évidemment enregistré. Il sera bien entendu disponible en replay depuis nos sites internet et réseaux sociaux respectifs, avec 2CRSI et Submer. Et on précisera bien sûr les différentes adresses et points de contact en fin de session. Je voudrais maintenant vous présenter rapidement nos intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons Jamal Alchami, qui est ingénieur docteur de recherche, et Michael Elezen, ingénieur de recherche, tous les deux au sein du département R&D de CRSI. Et Jamal et Michael sont plus spécifiquement en charge des solutions innovantes autour de l'immersion des serveurs. Avec nous également pour cette session, Laura Marignon, account manager chez Submer, basée à Barcelone, et Fabrice Gury, chef de projet immersion chez 2CRSI, qui nous parlera plus concrètement de la proposition de valeur et des solutions clés pour immerger une infrastructure IT. Alors, nous allons peut-être commencer par présenter les deux entreprises réunies pour cette session, 2CRSI et Submer. Pour commencer avec 2CRSI, c'est une entreprise française créée en 2005, donc relativement jeune, active dans l'industrie IT et le hardware informatique. Nous sommes une entreprise cotée à la Bourse de Paris depuis 2018 et nous sommes désormais présents dans un peu plus de 10 pays à travers l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Nous vendons notre savoir-faire aujourd'hui dans plus de 50 pays et notre expertise se concentre principalement autour de la conception et la fabrication de serveurs informatiques haute performance, serveurs de calcul, serveurs de stockage, mais bien d'autres produits et services liés au monde du serveur. Notre proposition de valeur, elle est résolument tournée vers le serveur éco-énergétique, pensé avant tout pour être refroidi par la technologie d'immersion dont on va parler tout au long de ce webinaire. Et évidemment, le partenariat qu'on a monté avec Submer nous permet aujourd'hui de venir avec une promesse qui réside dans la réduction de l'impact environnemental des data centers. Laura, je te passe peut-être la parole pour présenter Submer. Oui, bonjour à tous, merci Sébastien. Donc voilà, présentation rapide de Summer. Donc comme vous pouvez voir, on est une entreprise jeune aussi, encore plus jeune que de SRSI. On a commencé nous en 2015 à Barcelone avec à cette époque de la recherche et du développement et nos premiers déploiements commerciaux en 2018. Et réellement, on a eu 2 années donc très intenses en 2019 et 2020. Donc 2019, on s'est étendu à l'international avec notamment l'ouverture de bureaux et de sites de production aux États-Unis et on a fait donc de nombreuses innovations majeures sur notre produit data center de base, donc le SmartPod. Et l'année dernière, donc 2020, nous avons lancé de nouvelles gammes de produits qui cette fois-ci sont adaptés à l'edge, qui s'appellent le MicroPod et le MegaPod. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur ces deux produits plus tard. Et en sachant aussi, donc très intéressant, nous sommes très actifs dans tout ce qui est la robotique et l'automatisation du centre de données. Alors, Alors oui, je vais. merci. Ouais, pardon, je t'ai coupé la parole. Désolé, Laura. Non, j'allais dire peut-être, maintenant qu'on a planté le décor avec la présentation de nos deux entreprises, peut-être balayer un peu les défis des data centers aujourd'hui et peut-être nous donner une petite analyse du marché de l'immersion aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est un petit peu pour mettre tout en contexte. Donc voilà, on a certains défis donc au niveau du data center, donc des défis industriels. Donc comme tout le monde le sait, on a une arrivée donc de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'edge, l'IoT, le blockchain, et ce sont des technologies donc qui requièrent des serveurs très très puissants, très énergivores aussi. Donc voilà, aujourd'hui sur le marché, on a besoin de plus de densité, de plus d'efficacité et de moins de latence. Mais donc en face, nous avons tout ce qui est le refroidissement traditionnel par air, qui en fait n'est pas capable de relever tous ces défis. Donc je vous donne un exemple. Vous avez un graphique ici qui nous vient de l'Uptime Institute. Donc ça vous donne la moyenne des PE des data centers dans le monde. Donc le PE, je ne vais pas revenir trop en détail parce qu'on va vous l'expliquer plus tard. Mais en gros, c'est une mesure d'efficacité énergétique du centre de données. Et le but, c'est d'arriver d'un PE idéal de 1. Donc on voit sur ce graphique, effectivement, les PE donc, ont baissé jusqu'en 2013-2014, mais que depuis ce moment-là, en fait, les PE stagnent et ont beaucoup de mal à passer en dessous du 1,6. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que les systèmes d'air conditionné d'aujourd'hui dans les centres de données ne sont pas capables de refroidir les serveurs. Donc voilà, et même de gros acteurs du secteur comme Microsoft le disent qu'aujourd'hui, les systèmes d'air conditionné ne sont pas suffisants et qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Voilà, nous avons les défis industriels, mais aussi les défis écologiques. Donc, c'est assez connu que les data centers sont très pollueurs, très, très pollueurs. Au niveau des émissions de CO2, donc tout ce qui est Internet computing, c'est environ 6% de la consommation mondiale d'électricité, ce qui est plus que l'Inde. Et il y a une consommation un petit peu moins connue, qui est la consommation d'eau des data centers. Donc, un data center consomme l'équivalent en eau d'une piscine olympique tous les 2 jours, ce qui est énorme. Donc, voilà, nous voulons apporter sur le marché une solution d'immersion pour pouvoir répondre à tous ces défis, à la fois écologiques et industriels. Merci beaucoup, Laura, pour ces précisions. C'est très intéressant. Maintenant, je vous propose finalement de définir l'immersion des serveurs. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne concrètement? Et quels en sont les principes techniques? Et j'accueille maintenant nos collègues de la R&D, donc Jamal Chani et Michael Elezen, qui vont nous donner une lecture un peu plus scientifique peut-être. Mais finalement la plus simple possible pour présenter ces principes liés à l'immersion. Michael, Jamal, je vous laisse la parole. Merci Sébastien. Alors, je suis Michael Lezen, ingénieur de recherche au sein de CRSI, et je travaille plus particulièrement sur tout ce qui est refroidissement par immersion. Et je vais vous présenter en premier lieu ce qu'est le refroidissement par immersion. D'un point de vue du concept, c'est assez simple. Les serveurs sont immergés dans un liquide qui ne conduit pas l'électricité, c'est-à-dire un liquide qui on dit diélectrique. Les serveurs vont chauffer dans le liquide. L'énergie va être à 100% transformée en chaleur et va se transmettre au liquide. Le liquide, lui, va monter un peu en température et va ensuite servir de caloporteur qui va ensuite être échangé. Toute cette énergie va être échangée dans un réseau d'eau externe via un échangeur. On aura ainsi des serveurs qui seront refroidis et gardés à une température homogène. On a en gros deux grandes familles de refroidissement par immersion et je vais laisser mon collègue Jamal vous les présenter. Bonjour, je suis Jamal Alchami, ingénieur docteur de recherche chez CRSI et je travaille sur les technologies propres et de réutilisation de la chaleur. Alors, il existe 2 types de refroidissement par immersion, monophasique, sans changement de phase, c'est-à-dire le liquide reste à l'état liquide pendant l'usage et le transfert thermique se fait par convection. Le deuxième type, diphasique, avec changement de phase liquide-vapeur. Le transfert thermique se fait donc par vaporisation du liquide et on utilise un condenseur pour liquéfier les vapeurs formées et maintenir le cycle de refroidissement. La différence majeure entre l'immersion monophasique et diphasique réside dans la nature du liquide. Dans l'immersion diphasique, pour que le liquide s'évapore, il doit avoir une température d'ébullition faible, environ 49 degrés Celsius.
qui est proche des températures de fonctionnement des composants électroniques. Par contre, en immersion monophasique, le liquide doit avoir une température d'ébullition élevée, autour de 300 degrés Celsius. On va voir maintenant avec Michael que quel que soit le type de refroidissement par immersion, l'énergie absorbée par le liquide doit être évacuée à l'extérieur du bac. Effectivement, si on se base, on se base d'abord sur le bac, mais il faut maintenant se baser à l'échelle du data center. Comment est-ce qu'on va évacuer cette énergie des serveurs? Donc en fait, c'est relativement simple, encore une fois. On a donc des bacs où on a nos serveurs qui sont immergés. L'énergie des serveurs va être transmise à un réseau d'eau. Ce réseau d'eau va circuler grâce à des ponts. Et l'énergie du coup qui passe par ce réseau d'eau va être emmenée à un dry cooler qui, lui, va l'échanger avec l'air extérieur. On se retrouve donc avec une infrastructure simple qui est un bac, un réseau d'eau, des ponts et un dry cooler. Cette simplicité et ce peu d'éléments fait qu'on a une réduction d'énergie assez forte. Et pour le symboliser, on utilise un indicateur qui est le PUE, qu'on l'aura parlé auparavant. Donc ce PUE, c'est l'énergie totale consommée par le centre informatique sur l'énergie consommée par les équipements informatiques. C'est-à-dire qu'un data center, il va vouloir que toute l'énergie qu'il va consommer ne serve qu'au serveur. Donc le but, ça va être de réduire au maximum l'énergie utilisée autre que celle des serveurs. Et donc le but, c'est de se rapprocher d'un PUE qui serait égal à 1. Or, avec l'immersion, ça nous permet d'avoir un PUE qui est de l'ordre de 1,03, ce qui est extrêmement faible si on reprend le chiffre évoqué par Laura pour le 2020, qui était de 1,6. On a donc un effet qui permet d'avoir un gain non seulement économique, mais aussi écologique. Donc ça, c'est à l'échelle de l'immersion qui est à une échelle de data center. Mais l'élément aussi qui est très important, il faut toujours parler, c'est les serveurs. Serveurs qui sont immergés. Et donc, ces serveurs, de CRSI, travaillent dessus depuis plusieurs années et est maintenant capable de proposer des serveurs optimisés pour l'immersion. Mais en plus, on est capable, par notre expérience, d'adapter tous les serveurs, quasiment tous les serveurs faits pour l'air, les adapter à l'immersion. Mais pour ça, il faut faire quelques modifications. Par exemple, on va retirer ou désactiver les ventilateurs qui sont devenus inutiles pour le refroidissement par immersion. Ou aussi, on va adapter ou remplacer certains composants qui seront non compatibles avec le liquide. C'est-à-dire, on a par exemple les disques durs classiques, où le liquide risque de pénétrer à l'intérieur et d'altérer les mouvements mécaniques du disque dur. Ou on a encore certains composants électroniques qui, eux, ont des condensateurs en EPDM qui risquent de gonfler au contact de certains liquides. C'est toute cette expérience qu'on a qui nous permet maintenant de proposer des serveurs qui sont adaptés et parfaitement fonctionnels à l'immersion. Et donc, ce contact avec le liquide, c'est justement un des points importants. Le liquide est extrêmement important dans l'immersion. C'est vrai. Pour obtenir un fluide optimal, il faut faire une évaluation multidimensionnelle. Le liquide de refroidissement par immersion doit être avant tout non conducteur d'électricité, avoir une capacité thermique massique élevée et surtout, il faut qu'il soit compatible chimiquement avec les composants électroniques et tous les matériaux présents. Bien évidemment, il faut qu'il soit stable. Donc, il ne se décompose pas pendant l'usage, non toxique. Enfin, en termes de sécurité, il faut savoir que la troisième édition de la norme internationale de sécurité, publiée en 2018, intègre désormais le liquide de refroidissement par immersion. Elle précise des exigences de sécurité applicables au liquide. Et donc, grâce aux propriétés thermophysiques du liquide utilisé dans l'immersion, l'immersion apporte beaucoup d'avantages par rapport à l'air. Effectivement, si on se base par exemple sur les serveurs, on a beaucoup de bénéfices. Le premier, c'est la stabilité et l'homogénéisation de la température que nous apporte l'immersion. Donc pour mettre en évidence ceci, je vous ai montré un graphique où en ordonnée, on a les températures et en abscisse, on a le temps. On a immergé plusieurs serveurs qu'on a laissé tourner, chauffer,
Et ensuite, on a coupé le refroidissement du bac à immersion. Et là, on a pu observer que la température des serveurs augmentait de manière normale, sauf qu'elle monte, excusez-moi, elle monte de manière linéaire et assez lentement. On peut voir sur plusieurs heures, il lui faut pour monter d'une vingtaine de degrés. Ce qui est impossible dans l'air où en quelques secondes, on atteindrait les températures critiques pour les éléments. Et sur cette courbe, on peut également voir que quand on remet en marche le refroidissement, on a une descente rapide ensuite de la température des composants. Alors qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, l'immersion permet d'avoir une inertie thermique de par les capacités calorifiques du liquide. Et cette inertie thermique nous apporte plusieurs choses. D'abord, on a un délai d'intervention qui est augmenté. Si on a un problème sur le refroidissement, on a le temps soit d'éteindre les serveurs de manière correcte, soit on peut intervenir sur le problème et le résoudre avant qu'on atteigne des températures critiques pour les serveurs. Ensuite, on a du coup une durée de vie des composants qui est augmentée. Puisque la température est stable, on a très peu de variations de température au niveau des composants, ce qui augmente leur durée de vie. Et on a un taux de panne réduit grâce à ça, mais également, comme on a une absence de ventilateur, on n'a plus de pièces mécaniques, ce qui fait qu'on réduit encore le risque de panne. Et bien sûr, cette absence de ventilateur apporte également une absence de bruit. Et donc, c'est un avantage non négligeable pour des gens qui viennent intervenir sur des data centers. Enfin, le fait qu'on ait de telles propriétés thermiques de refroidissement permet de densifier au maximum les serveurs et donc de gagner de la place dans le data center. Et ça, tout ça, ce sont déjà des avantages au niveau du serveur. Mais on a d'autres avantages encore à une échelle plus macro. Effectivement, l'immersion apporte également d'autres bénéfices en termes d'efficacité énergétique et écologique à l'échelle du data center aussi. Comme par exemple la suppression des ventilateurs dans les racks, la suppression des machines frigorifiques et des compresseurs énergivores. Donc on n'a plus besoin d'utiliser des fluides frigorigènes nocifs pour l'environnement. Et en même temps, on obtient une quantité de chaleur récupérable importante. En effet, ce dernier point est important parce que pour réduire l'empreinte carbone, la valorisation de la chaleur fatale industrielle et dont le data center est devenu un enjeu mondial. Chez 2CRC, par exemple, nous avons engagé depuis 2016 des travaux de recherche pour récupérer et réutiliser la chaleur perdue. Parmi ces applications, on trouve le chauffage des locaux, de serres agricoles ou aquaponiques ou d'eau chaude sanitaire. Pour vous donner un exemple de cas concret, des vagues d'immersion ont été installées en tant que chaudière numérique à la piscine de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement de Paris pour contribuer au chauffage de la piscine. Donc on a bien vu que l'immersion permet de tendre vers une nouvelle vision des data centers plus écologique qu'elle ne l'est actuellement. Merci Jamal et Mickaël. Alors on a, je pense, maintenant bien compris les principes techniques de l'immersion. Vous avez réussi à faire ce travail de synthèse en étant aussi précis que simple. Donc je pense que c'est très bien d'avoir passé cette étape-là. On parlait des bénéfices des data centers, on parlait des bénéfices au niveau des serveurs, mais on va peut-être parler maintenant des bénéfices plus liés au bac à immersion qui sont développés par Sommaire et qui sont utilisés principalement par les data centers. Je ne sais pas, Laura, si tu veux nous parler un petit peu plus des bénéfices clients de côté Sommaire. Oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre les bénéfices dont on vient de vous parler, mais voir une partie peut-être un petit peu plus commerciale, je dirais. Donc, voilà, ce sont les trois bénéfices sur lesquels je voudrais insister un petit peu plus. L'efficacité énergétique, la densité et les bénéfices écologiques de l'immersion. Donc, au niveau de la densité, donc Michael en avait parlé, nous avons une réduction d'espace et donc on peut aller jusqu'à 85% de réduction d'espace, voire plus. Donc, ça, c'est dû au fait que dans un bac sommaire, on peut mettre entre 50 et 100 kilowatts. Et c'est aussi dû au design. Donc, c'est un design que nous avons développé pour être très compact et très modulaire. Donc, en fait, on peut, comme vous le voyez sur l'image, on peut vraiment mettre les smart pods ensemble, regroupés,
pour prendre un espace minimal. Donc, sur ce graphique, c'est un exemple d'un centre de données d'un mégawatt. Alors, à gauche, ce serait un centre de données classique d'air conditionné qui va nous prendre un espace total de 1000 m², voire plus, alors qu'à droite, ce même mégawatt, on le met dans l'équivalent de 20 smart pods sommaires et c'est un espace de 30 m². Donc, c'est très compact. Au niveau de l'efficacité, donc voilà, PUE, comme le disait très bien Michael, de 1.03, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement d'un point de vue commercial, d'un point de vue coût? On a une réduction donc d'OPEX sur la partie refroidissement qui peut aller jusqu'à 95%. Et en fait, quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce PUE de 1.03 et cette efficacité extrême, on la garde même dans les régions les plus chaudes du monde. Donc, par exemple, en Afrique ou au Moyen-Orient, nous gardons ce PUE de 1.03. D'un point de vue écologique, donc voilà, chaleur récupérée, on en a parlé, jusqu'à 99% de la chaleur récupérée des serveurs que l'on peut utiliser pour chauffer les bâtiments, mais également une réduction des émissions de CO2 qui peut aller jusqu'à 45%, ou une réduction de la consommation d'eau jusqu'à 95%. Donc, pour vous donner un petit exemple de la capacité de l'immersion, donc sur un centre de données de 500 kW, on est capable d'économiser l'équivalent en électricité de 300 maisons, ce qui est énorme. Et voilà, cette slide, c'est un petit résumé de tous les bénéfices. Donc, on a 10 fois la densité d'IT, une réduction de l'espace de 85%, une réduction d'OPEX sur la partie refroidissement de 95%, une réduction des émissions de CO2 de 45%. Et donc, un autre aspect très important pour tout ce qui est le TCO, le coût total, c'est lorsque l'on va construire un centre de données de zéro, on peut avoir dans certains cas une réduction de CAPEX de 50%. Donc voilà, TCO, coût total inégalé. Et ce qu'on aime beaucoup dire chez Summer, c'est qu'on est bénéfique pour la planète et on est bénéfique pour le porte-monnaie en même temps. Merci Laura. Je vous propose maintenant peut-être de s'attarder un peu sur, peut-être plus sur la partie hardware, concrètement, d'avoir une vue sur les bacs à immersion développés par Summer, d'avoir une vue sur les serveurs spécialement conçus pour être immergés côté de CRSI. Je vous propose peut-être de commencer par ces fameux bacs, ces smart pods. Laura, je te cède à nouveau la parole pour présenter ces bacs. Merci Sébastien. Donc voilà notre portfolio donc sur la partie immersion. Donc on a ce que vous voyez en noir donc les produits smart pods. Ce sont les produits centres de données classiques de très haute densité. On va avoir le Smart Pod X qui va correspondre à la moitié d'une baie et les Smart Pod XL et XL Plus qui sont aujourd'hui les produits utilisés plus pour la production qui correspondent à la baie entière. Donc voilà, qui sont tous entre 50 et 100 kW, donc extrêmement denses. Et en sachant aussi que ces trois produits sont adaptables à l'OCP. Alors l'OCP, donc peut-être pour donner une petite précision pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Open Compute Project. Donc c'est un projet qui a été lancé par Facebook il y a quelques années, dont le but donc d'améliorer l'efficacité du centre de données et vraiment en prenant en compte tous les aspects. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est une communauté, donc comme ce nom l'indique, qui est ouverte. Donc tous les acteurs du secteur peuvent y participer et collaborer. Donc nous, à Summer, on est très actifs sur la partie OCP et c'est le cas aussi de CRSI. Je sais que Fabrice va vous en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu plus smart pod, centre de données. En sachant que voilà, on a les produits d'Edge. Donc ici, vous voyez sur cette slide le Megapod. Le Megapod, en fait, donc c'est un produit qui est fait pour être placé à l'extérieur, sous n'importe quel type de conditions climatiques, par exemple au milieu du désert. Donc en fait, on a pris les Smart Pods, on rajoute tout ce qui est la partie électrique et tout ce qui est la partie tour de refroidissement. On met tout dans un container et c'est prêt à fonctionner. Donc voilà, un mégapod, c'est des capacités qui vont entre 100 et 800 kW. Mais en sachant aussi qu'on a une version un petit peu plus petite qui s'appelle le micropod et qui est un produit fait pour l'Edge de 6-7 kW. Donc une version plus restreinte du mégapod. Donc voilà, c'est une vue assez rapide du portfolio de Summer, des bacs Summer.
Merci, bah, c'est très précis, c'est très bien, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Merci Laura, je vous propose maintenant peut-être de faire une petite transition avec une courte vidéo qui vous permettra bah, de visualiser concrètement l'immersion. On en a beaucoup parlé maintenant depuis quelques minutes. C'est toujours bien d'avoir des images et voir exactement concrètement comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Voilà, je pense que cette vidéo était assez intéressante pour bah, concrètement, encore une fois, visualiser ce dont on parle quand on mentionne l'immersion et les serveurs immergés. Donc, on a parlé tout à l'heure avec Laura des bacs. On va peut-être maintenant s'attarder sur la partie serveur avec Fabrice qui va un peu nous présenter la gamme qui est spécifiquement compatible à l'immersion, même si, comme on l'a dit en introduction, la quasi-totalité des serveurs de CRSI peuvent être immergés. On a néanmoins une gamme qui est spécifiquement dédiée à l'immersion, et je vais laisser Fabrice nous en dire un petit peu plus. Donc bonjour, effectivement, je vais vous parler de la partie serveur de chez de CRSI. Donc avant tout, je me présente, je m'appelle Fabrice Gury, je suis chef de projet chez de CRSI, en charge de tous les projets donc, qui touchent à l'immersion et du partenariat avec Submer. Comme l'ont dit mes collègues, de CRSI et Submer collaborent à plusieurs niveaux, donc, que ce soit au niveau commercial, marketing, recherche et développement. On a une forte collaboration au niveau technique également. Et avec l'aide de Submer, toutes les équipes de CRSI sont montées au fur et à mesure en compétences dans le domaine de l'immersion. Et sur la base de ces compétences, on a développé une large gamme de produits, de serveurs notamment, compatibles 100% avec l'immersion. Si on part de notre catalogue, aujourd'hui, nous avons donc deux catégories de produits. On a la gamme 19 pouces, qu'on appelle Atlantis chez nous. Donc la gamme 19 pouces, on voit une photo là sur la droite de l'image, sont des serveurs standards, format standard connu de tout le monde, adaptés spécifiquement à l'immersion, donc avec des alimentations intégrées au serveur. À côté de ça, on a développé donc la gamme Octopus, qui est une gamme 21 pouces, basée sur le format OCP, dont a parlé Laura précédemment, qui, elle, est une version différente, donc un peu plus grande, un peu plus dense, dépourvue d'alimentation intégrée, donc alimentée par des alimentations centralisées et des barres de puissance. D'un point de vue purement technique, quand on parle d'immersion en règle générale, on est obligé de parler de densité. Et ce qu'on appelle densité dans un serveur, ou dans le domaine de l'immersion, c'est la quantité d'équipement informatique que l'on va être capable de mettre dans un espace donné. Si on prend un produit concret de chez Submer, donc le SmartPod XL, la version grand format du bac pour centre de données, on a un emplacement au sol qui représente environ 2 mètres carrés avec une capacité de 44 U ou 42 Open U si on parle de format OCP. Et les capacités de refroidissement de ces bacs permettent d'atteindre des niveaux de densité vraiment extrêmement importants. On verra quelques exemples tout à l'heure. Des niveaux de densité qui sont impossibles à atteindre, voire même à envisager, à imaginer dans des environnements refroidis en air basés sur des composants, tout ce qui est plus standard, de type CPU, GPU, et donc qui vont dégager du coup bah, forcément de grandes quantités de chaleur. Sur la base donc, de ces considérations, on a développé avec Submer des bundles commerciaux qui intègrent à la fois le côté refroidissement avec les bacs et le côté IT. Donc, selon votre cas d'usage, selon votre besoin, vous pouvez avoir probablement besoin de plus de puissance de calcul de type CPU, c'est-à-dire pas de carte graphique. Un de nos bundles, le premier sur la liste, qui est basé sur la gamme serveur Octopus 3, dans un SmartPod XL, on va être capable de mettre 108 serveurs Octopus 3, donc chaque serveur ayant deux CPU, pardon.
Et on va ainsi intégrer 5600 cœurs pour une puissance totale de 48 kW. Et c'est dans ce cas-là qu'on arrive à un PU vraiment très bas, de l'ordre de 1,03. D'un autre côté, si vous avez besoin de plus de puissance graphique, donc de carte graphique de puissance GPU, on a développé sur la base toujours de la gamme Octopus, voire de l'Atlantis, des serveurs haute densité qui vont être capables d'accueillir chacun 8 GPU. Et donc dans ce cas-là, on aura dans un bac, dans un SmartPod XL, jusqu'à 176 cartes graphiques. J'en ai pas parlé tout à l'heure, on est bien entendu, on parle de CPU de type Intel AMD ou de GPU type Nvidia AMD également, qui sont les cartes que tout le monde, ou les CPU que tout le monde connaît aujourd'hui sur le marché, les plus connus. Bien entendu, on a possibilité de mixer les configurations, c'est-à-dire qu'on peut mettre un peu de CPU, un peu de GPU, selon qu'on a envie d'y intégrer ou pas les switches dans le bac, on peut le faire également. Voilà, on est relativement flexible sur ces bundles-là et on s'adapte à vos besoins. Au niveau des serveurs, alors je vais pas m'attarder trop longtemps parce que Michael en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que quand on doit adapter un serveur ou créer un serveur pour l'immersion, il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte. Notamment, le plus important, c'est la suppression de tout ce qui est rotatif dans le bac, dans le serveur, pardon. Dans un serveur, on parle de ventilateur, dans un switch également de ventilateur, mais dans un serveur, on peut parler aussi de tout ce qui est disque rotatif. Bon, il y a bien entendu d'autres modifications à apporter, mais la plus importante, c'est vraiment la suppression de tous ces éléments qui sont rotatifs. Et du coup, quand on va supprimer ces éléments-là, on va forcément avoir des impacts sur le serveur. Donc, on va avoir une baisse de besoin de maintenance, puisqu'à côté de ça, on va avoir une augmentation de la durée de vie du serveur et que tous les éléments type fan ou disque dur à plateau qui ont tendance naturellement à tomber en panne, comme ils vont être supprimés, eh ben on aura besoin forcément de moins les remplacer. L'impact également direct sur la consommation d'énergie, puisque finalement, toute l'énergie qui sera consommée par le serveur servira uniquement au calcul et non plus à refroidir les composants du serveur. Encore tout le côté refroidissement, bah, c'est confié au bac, qui lui a une consommation de l'ordre de 850 watts environ, ce qui nous permet d'atteindre pour une capacité IT de 50 kW, un PUE vraiment très bas. Dernière chose, petite chose un peu différenciant par rapport à la concurrence, sur la base de toutes ces connaissances et sur cette gamme produit-là, deux CRSI garantit tous ces serveurs, même quand ils sont en immersion. C'était important à préciser, je pense. Merci beaucoup, Fabrice, Jamal, Laura et Mickaël. J'espère que ça a été utile pour tout le monde, j'en suis sûr. J'espère aussi que nous avons réussi à vous en faire savoir un peu plus sur l'immersion, le fait que ce soit bien plus qu'une tendance pour les acteurs de l'IT et les entreprises en général. Pour qui maintenant, évidemment, la data est un enjeu majeur et le stockage de données, ce qui entraîne aussi le développement massif des data centers partout dans le monde. Je vous propose maintenant, en conclusion, de prendre le temps de répondre à quelques questions. Je vois arriver dans mon chat pas mal de questions. On va peut-être en sélectionner deux ou trois. Le reste des questions, posez-les, on vous répondra directement par email sans aucun problème. Peut-être la première question pour l'équipe R&D, Jamal et Mickaël. On nous demande comment est-ce qu'on arrive à réutiliser la chaleur produite par le bac à immersion. Je pense que la question porte un peu sur le fonctionnement du bac par rapport à ce concept de récupération de chaleur. Je ne sais pas lequel de deux veut répondre à cette question. Je peux répondre. Okay. En effet, pour la réutilisation, l'intégration du bac d'immersion peut se faire facilement sur le réseau hydraulique existant dans l'établissement et ceci en amont de la chaudière. Cela permet donc de préchauffer l'eau, par exemple, et de réduire la consommation électrique nécessaire pour le chauffage. Mmh. Aussi, si nécessaire, une pompe à chaleur peut être ajoutée pour élever la température de l'eau chauffée par immersion. C'est assez simple, en fait. Ouais, très bien, super, merci. La deuxième question, pardon, je pense qu'elle est clairement pour Laura, pour Submer. On demande après combien de temps doit-on remplacer le fluide dans le bac à immersion. Question très pratique.
Oui, question très importante. On nous la pose souvent. Donc, il se trouve qu'on n'a pas besoin de le remplacer très souvent. La première chose à savoir, c'est que le fluide a une durée de vie, pardon, de 15 ans. Et voilà, c'est un fluide non évaporatif. On est sur de l'immersion monophase, comme expliqué par l'équipe de CRSI. Donc, en fait, en gros, vous avez plus ou moins pas besoin de changer. Le fluide va avoir plusieurs générations de serveurs. Juste de temps en temps, il faudra en rajouter un tout petit peu parce que voilà, quand vous faites certaines manipulations sur les serveurs, vous sortez les serveurs, vous pouvez en perdre un petit peu. Donc, c'est juste de remettre la petite quantité nécessaire pour remplir le bac. Et c'est tout. Mais très bien, je pense que c'est suffisant. Merci Laura. Derrière. Prenons une dernière question, peut-être pour Fabrice. Alors, je pense que la personne qui pose cette question est déjà assez initiée. On parlait tout à l'heure des différents composants qu'il était possible ou non d'immerger, mais on nous demande qu'en est-il des switches. Peut-on ou doit-on les immerger, Fabrice? Alors, bonne question qui fait souvent débat. Alors, techniquement, aujourd'hui, oui, on est capable d'immerger un switch. Sous réserve, comme on l'avait précisé tout à l'heure, de supprimer tous les éléments rotatifs. Et dans un switch, on parle là souvent de ventilateur, de refroidissement des alimentations en général. On est capable de le faire, on le fait, on l'a fait. Maintenant, il faut se poser la question, faut-il le faire? Quand on revient à la notion de densité, on sait que dans l'immersion, on souhaite y mettre des composants qu'on a du mal à refroidir en air en général. Or, un switch, aujourd'hui, on est facilement capable de le refroidir avec un système d'air classique. Donc, on a des solutions pour sortir les switches du bac à immersion et les mettre au plus proche des serveurs, notamment à l'avant des bacs. Voilà, on peut le faire. On ne le recommande pas forcément, ça va dépendre des configurations. Techniquement, il n'y a pas de limitation, on peut le faire. Oui. Ok, merci pour ces précisions. Merci à tous. On dépasse légèrement l'horaire, donc il est temps maintenant de se quitter. On arrive à la fin de la session. Merci encore à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, il y aura d'autres webinaires et événements digitaux et même physiques d'ailleurs, quand on pourra à nouveau retrouver le chemin des salons. On aura d'autres événements organisés avec notre partenaire Submer. Je voulais aussi préciser qu'il y a une brochure, une toute nouvelle brochure résumant les différents points abordés aujourd'hui et avec un détail de l'offre également. Tout ça est disponible dans cette nouvelle brochure. Nous vous l'enverrons directement par email si vous avez donné votre consentement suite à votre inscription. Elle sera aussi disponible sur le site de CRSI et j'imagine sur le site de Submer aussi. Donc vous pouvez vous rendre sur nos sites internet respectifs pour télécharger cette brochure-là. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube. Alors, je ne sais pas si vous êtes présent sur d'autres réseaux, Laura? C'est principalement ceci. Ouais. D'accord, ok, super. Donc n'hésitez pas à suivre Summer et de CRSI. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois nos intervenants, à vous souhaiter une bonne fin de matinée et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Si, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.